plus discret. Petrificus, Tantalus. Ok. Par Merlin, Révélio. On pourrait croire qu'il protège le ministre de la magie. Qu'est-ce qu'il se passe ici? On sait. Une seule façon de le savoir. On va tous les buter, c'est tout. Un peu de mode Metal Gear Solid activé et on est bon. Hein. Ok, vous voyez. Je sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne vois pas. J'ai juste enlevé mon sort et... Je ne sais pas. Bon, j'en ai marre. Allez. Ah, mais ils sont plusieurs. Allez, YOLO. Là, c'est bon, ça marche. Mais quoi, tu... Jeu de merde. Je suis désolé, j'ai bouffé un truc anti-froid, quand d'où je crève. Jeu de merde. Merde. Ok. Je sens mes forces me revenir à chaque fois qu'on me libère de cette prison. Ressentez en vous. Ok. Ressentez en vous. Le mec a fait un AVC. What? Elle est passée où ma boule? D'accord. Et après? Fais quoi? C'est pas beau. Au secours, pourquoi c'est jaune comme ça? Personne n'a les cheveux jaunes comme ça. Ah ouais, non mais... Ça m'a fait chier les bordels. Oh les cons. Pour s'enfuir, il fait tourner, il se transforme en hélicoptère le mec. Mais regarde ça. Hélicoptère le mec, putain. Ah, oh bordel. Oh, elle est tellement stylée. Et c'est une X-Men, hein, pour info. Je crois qu'il y a même Psycho, je crois, dedans. Je suis pas sûr. Non, je quitte la combi par contre. J'espère que vous allez bien les petits potes. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous passez un bon week-end et que bah, tout va bien et que bah, tout va excessivement bien. On va continuer un petit peu Zeldouille parce que au final j'ai très envie d'y jouer et que bah, grosso merdo au niveau actu à part Diablo 4 j'attends pas grand chose. Donc à mon avis à la sortie de Diablo 4 on va se calmer sur Zelda, on continuera hein, mais en même temps je pense qu'on, comment dire, que le fait que Zelda soit streamé par des milliers de streamers aide en rien aussi un petit peu à la visibilité aussi du stream. Bon, c'est bien beau de streamer pour
pour bien beau de streamer, mais bon, streamer que pour son retour bot, c'est un peu compliqué. Donc du coup, on verra peut-être avec Diablo, ce sera peut-être la même. Je sais pas. Je sais pas, mais j'y retournerai de toute façon sur Zelda. Peut-être pas tout de suite. Dans l'occurrence, on va essayer de faire un maximum de choses quand même dessus. J'ai envie quand même de le continuer, de le finir, voire peut-être de le clean à 100%. Même s'il y a beaucoup de trucs à patoune dedans, on va quand même tenter le truc, on verra bien comment ça va se passer. Et en tout cas, ouais, on va continuer, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et j'ai hâte de pouvoir affronter Ganon. Parce que c'est vraiment le truc qui me hype le plus en fait. Affronter Ganon. Voilà. Je veux affronter Ganon avec l'épée purificatrice, etc. Donc, il n'y a pas à tortiller du fiac. Je veux faire ça. Donc, du coup, on va passer tout de suite au game, les petits potes. Let's go. Jeu. Hop, hop, hop. Et on enchaîne. Alors, on en était où? Allez, pleine d'irule. Oui, parce que normalement, je voulais... je sais plus où faut aller pour augmenter les trucs sonos. Je sais plus comment faut faire. Je sais plus comment faut faire pour augmenter les batteries. Malheureusement. Même si très. Ça semble quand même beaucoup plus. Bon, c'est comme de l'endurance au final. Hein. Si on veut faire des machines qui roulent un moment, faudra farmer un minimum. Voilà. Du coup. Oh, on n'avait pas été là-bas. Hein. On n'avait pas été là-bas, il y avait un truc à récupérer par là. Pas mon cheval. J'ai pas mon cheval. Ok, bon. Je sais pas où il est passé mon cheval. J'ai chier. Je sais pas s'il faut le ramener au ranch en fonction. Y'a pas un ranch quelque part là? Bah, ah bah attends. On va se téléporter directement. On va se téléporter. Ça sera beaucoup plus rapide. J'ai un truc à aller chercher là-bas, j'avais parlé un PNJ pour un bout d'armure, je crois, de résistance au feu. Et on va voir ce que ça va donner. Je crois que c'est ça. Hein. Je crois que c'est ça. Ok. Et lui. T'as vu? Ah, remets une nouvelle affaire. Les habitants ont fait réservation dans un relais. Apparemment, ils avaient dit que Gotha, qui s'occupe de la cuisine ici, puisqu'il a une recette qui tienne directement de Dame Zelda. Très bien vos pressentiments, mais même s'il pleut. Gotha passe son temps à attendre comme ça. Ok. Même les clients ne viennent pas, ou alors les clients ne peuvent pas venir. On y s'intéresse. Ok, d'accord, bon bah. Alors. Ah, je prends Dada, ouais. Ok. Ok, merci pour le cheval. Il y a quoi d'autre là? Là, il y avait une recette. Quoi, c'est un crabe et une potion. D'accord. Ok. Ah, tiens, qu'est-ce que t'as à vendre, toi? Bon, j'ai des trucs à te vendre. On a fait une razzia. Poissonnerie. Ah, ça, je me suis spoilé, ils vont en avoir besoin. Voilà. Les poissonneries, je préfère me les acheter maintenant, comme ça. Ça sera fait. Tac tac. Alors. Faut qu'on vende tout. Je vends tout. Aïe. 180. Allez. Je vends tout. Voilà. Les saphirs bruts. On vend. Ouais. Alors ensuite,
Ça, par exemple, ce supérieur, je sais pas à quoi ça sert. I don't know. Ah, les ombres. Oui. Tiens. On va faire un minimum d'affaires. Au revoir. Je vais voir un... Alors on me dit qu'il y avait un truc ici. Ok. Très bien. Merde. Mais non, mais il monte. Espèce de nuneux, monte sur le cheval. Ok. Faut un truc qui coupe. Elle est pristine. Oh ! Ah oui, ils font mal les bleus. Ils font très mal. Ok. Ah, l'arbre qui spawn au même moment. Quel enfer. Quel enfer. Allez, avance. Avance. Il y aura une grotte ici. Ah là. Ok. Ok. On va récupérer les fleurs de bombe parce que ça, typiquement. Ok. Ah mmh. Right. Ok, barre-toi. Mm-hmm. Attends, on sait jamais. Non, 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 non. Alors... Mm-hmm. Une truffe max, encore. Parfait. Ah tiens, je t'avais pas vu toi. Hello Or Suprême, comment il va? Oh merde, j'ai mis une grenade. Pas une... Comment il va le petit Or Suprême? Bien, bien. Qu'est-ce que ça raconte de beau? Ah, tiens, j'avais oublié les... Putain, pardon, excusez-moi. Le pollen qui me taraude un peu là en ce moment. Compliqué. Ah, ok. Champilou maugrillé. Ah, mais je voulais pas. Qu'est-ce que ça raconte de beau, mon petit Or Suprême? Mon petit Vince. Ah, ah saloperie! Ok. Ok, diamant brut, 25 en puissance d'amalgame. Oh oui, ok.
Enfin, le week-end, hier, rentré chez moi à 19h, je sais pas pourquoi je suis réveillé aussitôt. Ah bah pareil, hein, moi écoute, tu t'es couché à quelle heure en même temps? Moi je me couche généralement à 21h, 22h, je suis au pieu. Et puis après, bah 22h30, je ronfle quoi. En plus, je me suis remis au sport, donc du coup, fatalement, c'est beaucoup plus... Bah tu vois le délire quoi. Ah putain, faudra qu'on fasse des plats. Hein. Voilà. Une heure, ah ouais, quand même. Ouais, effectivement. Je vais récupérer des bombes ici. Hein. Ok. Mais arrêtez de rouler, saloperie de... Voilà. Salut Fire Titan, comment il va? Bon, avec 4 heures pour toute la semaine et 8 heures, j'ai l'impression d'être en grasse mat. Comment tu vas, grand? Ah, des bombes. Comment il va? Mais ouais, 1h du matin, ouais. Enfin, quand tu te réveilles aussitôt, ouais, c'est un peu compliqué, quoi. Hop. De l'ambre brut, parfait. Et bonjour les runners, welcome. Installez-vous, venez discuter, chatter, lurker, participer de quelque manière que ce soit, mais vous êtes les bienvenus quoi qu'il arrive. Mais ouais, je comprends un petit peu, ouais. C'est... Non, en ce moment, moi, c'est... Je me lève entre 7h et 6h du mat, tu vois. La dernière fois, j'ai lancé un live parce que je me suis dit, bon, allez, tant qu'à faire, let's go, quoi. Bon, on est là pour essayer de trouver... Une tenue cachée. Mais alors la tenue, where is it? Where is it la tenue? Oh, okay. Oh merde, oh merde. Est-ce que ça marche? Ah ouais. D'accord, ça marche comme ça. Ça marche comme ça chez McDonald's. Aïe! Ah bah non, non, non! Ça marche pas comme ça! Saloperie! Ah oui, effectivement. Continue mon exploration, là j'ai encore fait un sage après 100 heures. Un sage? Non mais... Putain, je me suis gouré de boutons! Alors toi mon gars, je vais pas te louper. Voilà. Quel enfer, je me gourde de boutons à chaque fois. Bon. On a un... Aïe 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 aïe. Oh non, c'est tombé. J'ai pas fait un sage toi. J'ai pas fait un sage, toi, je vois que t'as fait le piaf. Ah oui, bah ouais, j'étais sur le temple, j'ai dit let's go, on va le faire. Et voilà. Mais ouais, ouais, non, j'ai fait le temple. Je pensais pas que c'était un truc vital. Et en fait, j'ai fait, ah ouais, bah en fait, c'est vraiment une partie de l'histoire. Merde. Du coup, je croyais que c'était un truc random, tu vois, comme un sanctuaire. Et j'ai continué, j'ai fait plein de trucs. Le boss, bon, je l'ai first try. Ah. Plein. Ok. Voilà. Et hier aussi j'ai récupéré ça. L'armure de combat, il me reste le casque à avoir aussi. Je me suis enfoncé dans les trucs d'Hyrule en passant par l'auberge. Ah non, il va se briser. Non, bah tant pis. J'ai affronté des trogoblins noirs. Crois-moi, ça a été la cata. J'étais obligé de rebrousser chemin. Ok, on a des bombes.
Oh, là, voilà. Alright. Ok, ça marche pas comme ça. Ok, ok, ok. Vite, 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 vite. Oh, merde, j'ai plus de... Fin du passage. Bon courage les runners. Bonne découverte. Merci de la participation. Allez, envoie-moi ton boule. Voilà. Ouais. En tout cas, on ramasse une pomme et on finit contre les lignelles blancs au donjon, ça sans s'en rendre compte. Ouais, c'est ça. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais je vois qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas vraiment le même parcours en fait au fur et à mesure du jeu. Donc du coup je me dis que ouais, c'est vrai que... bah moi j'ai fait ça, ouais mais moi j'étais au temple de l'eau. Ouais mais comment t'as fait? Bah moi je suis pas passé par là. Bah ouais mais c'est ça le principe de Zeldouille, tu vois. C'est ça le principe de Zeldouille. C'est que tu peux te retrouver... pas du tout avec les mêmes... le même parcours que ton pote par exemple, tu vois, qui joue en simultané avec toi. Ça qui est marrant. Bah comme un Skyrim en fait, tu vois, grosso merdo. Ah. Le fil blanc, on est vraiment dans un vrai open world. Oui, bah c'est un bac, enfin, c'est même plus qu'un open world, c'est vraiment un bac à sable pour le coup, tu vois. C'est vraiment un bac à sable pour le coup, donc ouais, c'est du bac à sable bien fait pour le coup. Alors on a encore une corne de trois gobelins noirs, on a ça, on a ça, putain, on a de l'amalgame. Hein. On a de l'amalgame. Problème, c'est que j'en ai que deux. Là, j'ai qu'un et là, j'ai un. Donc, il faudra bien que je choisisse l'arme de base. Parce que si elle a une durabilité de merde. Bon, ça, on va le prendre. Ça, c'est facile à avoir. C'est 500 rubis. Mais t'as vu la puissance de l'amalgame ou pas? C'est 500 rubis, mais c'est 25 de puissance d'amalgame. Hein. Mon plus fort, c'est celui-là. Hein, la corne de Stalinox. Stalinox. La puissance de l'amalgame est à 29, quasiment 30 de dégâts en plus. Quand tu le combines avec le bon truc, quoi. Par exemple, j'ai eu des armes pristines, complètement, bah, complètement vierges. Hein, hop, là je prends ça. Attends, non, c'est une troll de, c'est un gobelin classique, donc on va combiner avec ça. Hop, voilà. Voilà. C'est les lignelles pour compo monte bien plus puissant. Ouais, je m'en doute un peu. Bah les lignelles en même temps, c'est les beaucoup, c'est les trucs les plus... Combinaison isolante. Ah, c'est une... Merde, c'était pas une combinaison anti-chaleur. Ok, autant pour moi. Combinaison isolante. Faudrait que je trouve... Y a pas mal de trucs planqués comme ça, quoi. Ok, bon, on va finir la grotte. Qu'à faire. Le précédent Zelda, ça m'a, j'ai pas aimé cause des armes qui se cassent. C'est le même délire. C'est le même délire. Le truc, c'est que c'est, moi aussi, c'est un gros point qui m'a cassé les pieds dans Zelda. Et ça me casse toujours les pieds. Hein. Mais en fait, quand tu réfléchis un petit peu aux associations que tu peux faire dans le jeu avec les combinaisons, Light offre des combinaisons d'amalgame qui te donnent le choix entre d'avoir un truc puissant, résistant, etc. Quoi. Faut attendre d'avoir les bons tiers d'armes. Parce que t'as différents tiers. J'y ai joué 2 heures. Ouais bah écoute, hein, c'est pas le temps qui compte hein, mais. J'ai pas d'amiibo, non, j'en ai pas. J'ai pas la. J'ai pas les fonds nécessaires pour acheter des amiibo moi. Le stream rapporte pas. Mais ouais, non, non, j'ai. Alors. Et ouais, c'est. J'ai vu pas mal de petites choses, quoi. Mais le truc, c'est qu'apparemment. Alors, il y a une astuce pour les réparer et même les upgrades. Je sais pas si tu l'as vu Fire Titan, celle-là ou pas.
pour réparer tes armes. Il y a un moyen de le faire. Bon, c'est chiant. C'est pas la, enfin, c'est pas le truc où tu peux sortir ça dès le début du game, mais tu peux le faire. Après, je peux te donner l'astuce, mais ça, c'est pas vraiment du spoil. Enfin, plutôt une astuce. J'ai Action Replay Amiibo, ça fonctionne bien. Ou les cartes ou les mobs, si tu avales des armes chez... Ouais, c'est ça, voilà. C'est ça, tu... Ah bah tiens, il y a un sanctuaire, on va le faire. Let's go. Mais moi, ce qui m'avait gonflé dans les Zelda, c'est le fait qu'il y avait de l'équipement... Oh non. Oh non, il y a un... Un Korogu. On va voir s'il n'y a pas des trucs. Yes. Une bombe. Ah. Ok. Une planche à roulettes. Ok, c'est tout ce qu'il y a. Ok. Mais ouais, le fait de réparer les armes, c'est avec les sortes de trucs qui crachent des pierres à la gueule dans le monde de, enfin dans les plaines des Goro. Tu leur jettes une arme par terre, il absorbe et il te la recrache. Non seulement réparer, mais upgrade. C'est-à-dire, ben, la gagner en dégâts, quoi. Ok. Bon, bah, on va y aller, hein. On ira après, peut-être. Ouais, non, on ira après le sanctuaire. On va faire le sanctuaire d'abord. Ça évitera de faire un aller-retour pour rien. Allez, let's go. Hop, petit sanctuaire. Il y a une personne qui a fait un Gundam. Ah ouais, mais il y en a plein. J'en ai vu plein. Mais c'est tellement... C'est ça qui me rend fou, c'est que tu peux faire exactement ce que tu veux, en fait, dans le jeu. C'est vraiment un bac à sable à 100%. Ça me rappelle un petit peu ce que Garry's Mod offrait en termes de construction. Mais là, c'est sur un jeu d'aventure. Tu vois, c'est pas un jeu qui est build autour de la construction. C'est le petit plus, en fait. T'es même pas obligé de faire des constructions pour arriver à faire ce qu'il y a à faire, quoi. Donc c'est vraiment le petit plus, les constructions. Ah, faut que je lance une arme sur l'ennemi. Ah non! Aucune autre attaque, aucune autre attaque sera efficace. Prépare-toi. Ok. Non, non. Ouais, il va lancer mes grosses armes. Hein. Faut pas arriver. Ah. Oups. Bon bah, je l'ai mis un petit peu à côté. Let's go. Oh. Non, je peux pas récupérer mon arme. Salaud. Oh non. Ah mais attends, ils m'ont donné des réserves là. J'avais pas vu. Ok. Voilà. Bravo. Ne distraire par ses mouvements et lance son arme, ton arme sur l'ennemi. Ah, oh, je suis mauvais en... J'ai un mauvais IM. Y'a pas un joueur pro CSGO là qui pourrait m'aider? Yeah. Ah bah voilà. Un vrai sniper. Un snipé. Je suis un snipé, moi. Tiens. Oh, ce que je t'ai mis, gros. Et oui. Et il a découvert en suprême les bottes alertes. Enfin les... Merde. Oh ça y est les... comment ça s'appelle? Oh j'ai oublié le nom, ça y est. T'as vu, j'ai mis ça en place il y a un petit moment. Hop. Ah tiens regarde, j'ai appris à lancer. C'est honteux. Les chambouets. On a tout jeté. D'ailleurs, ils m'ont chopé une... Je suis allé dans les tréfonds. Dans les profondeurs, ils m'ont donné une lance non rouillée. Je vais la garder de côté, celle-là, parce que à mon avis, elle va être goldée. Il faudrait que j'y mette un bon amalgame. Ça pourrait faire une bonne arme. Et une épée non rouillée aussi. Alors ça, par exemple,
On va faire ça tout de suite parce que j'aime bien les, j'adore les épées, les armes sono. L'amalgame alors. Normalement ça booste les dégâts, donc ça à prendre. Ça booste les dégâts, c'est quand tu les amalgames avec des morceaux de technologie sono. T'as rajouté un plus 3 en plus. Pas mal ça. Ok. Lance de sonium. Ah bah voilà. Et on va poser un... Ça fait combien de dégâts? 4. Ouais. Ah quel enfer. Pose-moi ça. Voilà. Pareil, hop, équipé. Équipé. On prend ça, prendre. Pour l'instant, j'ai pas plus fort. Voilà. On est arrivé à 15 dégâts. Bah, j'en ai plusieurs comme ça, quoi. C'est bien. Voilà. Ah, c'est pas mal le fait de combiner des armes et tout, enfin avec des morceaux de monstres pour augmenter ses dégâts. Ça, c'est vraiment un... Je trouve que c'est un petit plus aussi, ça. Ça va te donner différentes manières de jouer. Déjà, je sélectionne les armes les moins puissantes avant de cramer les plus puissantes, ce qui paraît logique. Je garde les armes les plus puissantes, bah, si je tombe sur un ennemi, comme la dernière fois, je tombais sur un trop gobelin noir. Heureusement que j'avais mon arme plus 30, parce que sinon, je m'en sortais pas. Alors, donc on doit s'occuper de notre ami ici. Le problème, c'est qu'il n'y a pas grand-chose, quoi. Il n'y a pas grand-chose. Ah, alors attends. Hop. Il y a une bombe. Alors pourquoi la bombe? Ça a un impact sur le truc ou pas? À part me faire sauter la tronche. Oh! Mais passe par le... Passe par le haut du château d'Hyrule. Bah je suis passé en bas moi. Je ferai un petit moment donné, mais là pour le moment, je t'avouerai que vu ce qu'il y avait dans le château. Ah oui, mais tu m'as fait peur. Mais oui, mais attends, laisse-moi faire, Jean-Michel. Là. Ah. Attends, faut que j'aille parler aux PNJ parce que les PNJ ont rarement peuvent me donner des infos. Boutique ambulante. Ah, c'est une boutique. Rivière, tu fais peut-être un tour plus tard. C'est par les spécialités du village. Je voudrais acheter. Oh, tiens, qu'est-ce que t'as? Non. Et de l'effraie. Ouais. Ça fait quoi? Soupe et de flan. Bon, écoute, on va prendre, ouais. J'achète tout. Parce que ça, c'est des trucs que je trouve pas dans la nature. Ouais. La mode de beurre. On va prendre dans la mode de beurre. Ouais, la mode de beurre. Demi-sel, s'il vous plaît, par contre. Ouais. Moi, j'adore la cuisine dans le jeu. Ça peut te donner des buffs assez monumentaux. Non. Voilà. Deux de volailles, je peux en trouver partout. Pas de problème. Hop. Allez. Merde, putain, j'ai toujours pas les bagnes dans main. Incroyable. Ah. On n'a pas une vieille arme qui servirait pas là, ça. Voilà. Oh, ça tourne! Non, reviens, Jean-Mi! Putain, te barre! Mais qu'est-ce qu'il fait? Jean-Mi! Et où tu vas? On doit retrouver ton pote! Jean-Mi! Bah, bravo, Nils, pour la photo! Alors. Eh merde! Le mec, il se barre, quoi! Arrête cela! Tout droit! Putain, c'est con que j'ai pas le manche!
Allez, go! Non! Quel enfer! Parle d'un gagne-temps. Ça tourne trop! C'est de la merde! Non mais... Attends-moi! Fous-moi la paix! Oh bordel! Allez! En avant! Pourquoi moi? Bah... Là, voilà, voilà! Non! 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 Oh la vache! Attends, non, non, arrête-toi! 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 Putain! Arrête-toi là! Stop! Bon, je vais te ramener à pied parce que ça va être. Là! Donne-moi ça! Le Korogu dissident! Let's go! Allez! Oui, bah, ya, si tu veux, hein! Ya! Allez, deux doigts corrugus. D'ailleurs, j'ai bien augmenté mon pool d'armement en général. Et en plus, je suis pile poil devant le sanctuaire que je voulais faire. Parfait. Ok. Ah putain, il y a un golem qu'il fallait que j'aille faire. Attends, je me rappelle plus pourquoi c'est les cartes déjà. On a donné les cartes, mais je sais plus pourquoi faire. Ah, c'est pour les tréfonds. Voilà, c'est pour les tréfonds. Les cartes qu'on récupère en hauteur en affrontant les sortes de golems, c'est pour le tréfonds. Oh non. Un truc à main nue. Oh non, truc de discrétion. Mauvais. Tu peux pas utiliser ton équipement ici. Oh. Combat des armées débutants. Ah, right. Ok. M'a pas vu. Ouais, je sais, j'y suis allé déjà au Terrier Titan. C'est pas les sanctuaires, c'est les tours, tu veux dire. Et c'est une racine, ouais, c'est des trucs qui vont... c'est une tour en fait qui t'illumine toute la zone et qui t'enlève tes trucs. Dommage, j'y étais. J'ai pas fait d'amalgame, c'est peut-être aussi ça qui m'a posé problème. On m'a dit toujours dans ma vie qu'il fallait pas faire d'amalgame. Oui. Ouais, c'est vrai. Ah, il l'a dit. Alors... Allez. Ça va cramer si je fais rien. Et...
Aïe. Ok. Voilà. L'emplacement en surface, c'est un sanctuaire. Ah d'accord, c'est... Ah ok. D'accord, d'accord. Ça marche. Ok. Alright. Ah, on pourra peut-être essayer de récupérer cette boule là. Très bien là-dessus. Ok. Voilà, on fait un 13. Bon, ouais, c'est pas mal. Ça va aider dans le noir. Ouais, tout de suite. Bah, c'est pas noir, c'est sombre. Bouclier rebondissant. Quoi ? Hein ? Genre pour faire des jumps ? Hein ? Oh ? Attends. Merde, attends, comment on fait déjà ? Oh là, c'est chiant. Ah oui, effectivement. D'accord. Bon, ça n'a qu'une seule utilisation par contre. Aïe. Très bien. Bon, ça m'a montré qu'on pouvait faire ça. Très bien. Bah écoutez, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bouclier rebondissant. C'est vrai qu'il y avait les boucliers, je m'en sers pas des masses. Hein. À part faire le bouclier fusée pour aller vachement loin, vachement haut. Je m'en sers pas des masses en fait. Et d'ailleurs avec une bombe ça marche. Genre tu fais un rocket jump. Oh, ce serait terrible. Ça serait terrible de faire un rocket jump. Oh, faut que je teste. Bon, ça doit endommager le bouclier par contre. Je pense que ça doit vraiment endommager le bouclier pour le coup. Un rocket jump. Ouais. Ouais. Ok, attendez, excusez-moi. Hop. Ouais, j'essaie, j'essayais. Ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que j'ai pas les binds de Nintendo en main. Très compliqué pour moi. Alors, on pourrait trouver la tour de cette zone. Ce serait cool. Il y a beaucoup de gobelins de bleu, pardon. L2 triangle rond, ouais c'est ça, ouais, mais ouais, moi j'ai la manette pro, je suis vraiment pas habitué en fait, les binds sont pas intuitifs, c'est comme courir, et sauter c'est courir c'est en bas, sauter c'est au-dessus quoi, tu vois, bon en même temps ils ont pas fait pire que Dark Souls quoi. Non mais mon cheval il vient quand en vrai? J'ai un cheval, je sais pas qui... Putain... Je me suis fait chier à récupérer le cheval de la princesse Zelda et... Voilà... Salaud. Ah oui, attaque. Ok, ce serait ça le... Ça a l'air d'être cette tour là. Hein. C'est l'enfer. Oh. C'est où là? C'est pas le château d'Hyrule ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends. J'ai...
C'est quoi ça? Ils ont chopé mon clone. Oh la vache! Ah vas-y, occupe-toi-en. Une en vue. Effectivement, c'est. T'es barré? Ah, il est mort. J'ai un truc. D'accord, faut juste l'esquiver quoi. Amas de ténèbres. Ok. Qui paraît froid au toucher, rempli d'obscurité. D'accord. Très bien. Ça c'est des. Ouais. C'est du miasme vivant quoi. Je danse le miasme. Ouais, la musique elle se déclenche ici, hein. Très bizarre. On va utiliser ça là. Ok. Oh la vache, c'est très creepy là. C'est très 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 creepy. Lune rouge, lune de sang. Oh lune, couleur du sang. On est au courant. Et dans tous les 7 jours, il faut faire une base anti-horde. Ah non, pas celui-là. C'est le gourde de jeu. Ouais, mais je l'ai l'appareil photo. Je l'ai débloqué. Faut aller dans les abîmes. Ah, tiens, bah, y a un Korugu là. Oh. Je me suis promis que je les ferais pas tous. J'ai pas non plus envie de passer mon temps à faire ça. Manque une pierre. Localisons-la. Allez là. Voilà. Il est dans une sorte de bac. Bac dans les bacs. Voilà. Oh, c'est un peu con, c'est un peu évident quoi. Ok. C'est comme si tu jouais avec ton pote à cache-cache, il fait « Je suis invisible !» Il ne trouvera jamais. Ah, perche d'Hyrule, let's go. Te demandera un esprit. Ah ouais? Ah bah c'est ça les trucs que j'ai récupérés. Donc tu me dis c'est dans la pièce des deux PNJ où on t'a donné la quête pour avoir l'appareil photo. PNJ qui m'a donné l'appareil photo. Putain la vache, je me rappelle pas où c'est gros. Ah oui! Ça y est, si, ça y est, je vois. D'ailleurs, elle fait esprit. Ah, c'est elle. Ok, d'accord. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Vu que j'ai eu des esprits dans le tréfonds. Oh, tame, ok. Bon, bah, on va utiliser une autre méthode. C'est pas grave. Ah, regardez bien. Ça, c'est le skill. Ça, c'est... Les vieilles bases de Breath of the Wild, on va prendre ça, on en prend deux, on prend ou nos pommes d'épingle, et on prend un silex. Voilà. Ensuite, on fait ça. Allez, let's go. Hello there. La rafale. Ouais, appelle-moi Snake Eater. Let's go. Appelle-moi le Big Boss. Ou Venom Snake, ça dépend. Allez, en avant. Go. Et...
Le fils de Big Boss. Ouais, enfin, c'est pas vraiment son fils. Plutôt son frère, vu que c'est son clone. T'as plutôt son frère, au final, quoi. D'ailleurs, il le dit lui-même, hein. Big Boss le dit lui-même, tu es mon frère, hein. Tout simplement. À la fin de Metal Gear 4, ils font tous le même âge, quoi. Ah, une carte aérienne. Allons-y, photocopions. Alors déjà, on a une larme de la DS à choper. Là-bas. Ensuite, on a quoi, là? Ah, on a encore ces cubes étranges, là. Pour trouver ce que c'était. Alright. Alright. Ah. Non mais... Il y a des trucs là. Ok. Ouais, c'est en dehors de la zone. On va les retirer pour le moment. Occuper simplement de la zone actuellement. Alors, on en a un là. Espèce de con, j'ai pas voulu descendre. Ouais. Pomme jaune. Pomme d'or. Tiens, ils ont copié sur Minecraft. Copiteur. Des pommes d'or. Ok. On prend, hein. C'est toujours bon à prendre. Ok. Soit elle a failli tomber la pomme. Tiens moi. Et on a des fleurs radieuses. Et... 3 pommes d'or, quoi. Il n'y en a pas plus, hein. Ça fait quoi, les pommes d'or? Qu'on regarde un peu. Les pommes d'or, les pommes d'or, les pommes d'or. Alors, rare, fruit rare au sentiment mystérieux, à croquer est un ravissement, car elle a un goût sucré incomparable. D'accord, je me doute que ça donne déjà plus de vie qu'une pomme normale. Donc un cœur et demi. Un cœur et un demi. Radma, un demi. Moitié femelle. Ah non, c'était quoi? Non, c'était moitié femme. Je sais plus, je me rappelle plus du tout. Yes, alors du coup on en a deux sur le côté ici. Ah putain, de nuage. Ah là on en a un là-bas par exemple. Et il est dans la zone celui-là. Très bien. On va checker rapidement. Lui, il a pas l'air d'être dans la zone. Hein. Ah bah non, celui-là, j'ai déjà fait. J'ai déjà fait. Alright. Des pommes d'or. Très bien. Ça doit se situer sur les îles comme ça, à mon avis. Sur les îles en hauteur. Ouais. On peut voir ce qu'il y a en bas. Il y a sur cette plateforme. Voilà. Oh, des fées. Non. Bon, je peux les attraper rapidement, ces trucs là. Putain, il n'y a pas des filets. Tire dessus. Ouais, non, je veux pas les... Le but, c'est pas de la tuer, quoi. Ah, il y avait des fées. Quel enfer, je peux pas les attraper. Il n'y a pas un truc pour les attirer. Genre une ocarina, non, marche pas. Pas le bon jeu, merde. C'est pas le bon jeu. On a. Right, right, right. L'air super loin, hein. Ils ont l'air très très loin.
Ah, on a des fusées. Pas que ça, ça aide beaucoup, beaucoup. Pour aller là-bas. Ouais, ouais. Je sais vraiment pas. Oui. Truc en dessous. Et des fois dans les îles il y a des trucs cachés. Faire ça. Ok. Ok, let's go, on va faire un engin. Hein. Pas trop de choix. Peut-être choper un truc à boule. Ouais, mais comment je fais pour monter là-haut après? Par là? Bah non, je peux jamais monter. On pourrait jamais monter, mais partir de plus haut en fait. Ah, il y a la boule. Tiens, le truc que je cherchais là. Le gacha. Le gacha, il est là-bas. Ok, bon. Voyons voir ce qu'on a dans notre attirail. On a un planeur. On a des ventilos. Par contre, j'ai pas de manche. J'ai une montgolfière. Ah, j'ai une montgolfière. On va essayer de faire quelque chose après. Yes, yes, avec le... Oh, c'est parfait. Parfait, parfait. Toi, bouge plus. Qu'est-ce que c'est ? Ouf, oh la vache, il y a mis une sèche. Très bien. Ouh, j'ai failli tomber. Arc golem. Arc golem, c'est 5. Hein. Oublions ça. Merde. Ok. Florons encore cette île. Ok. Là, faudrait monter, quoi. On va ramasser tout ce qu'on peut. Loot, c'est important. Le loot, c'est la vie. Vous le comprendriez, vous le comprendrez dans Diablo 4, vous inquiétez pas, ça va venir. Alors t'es prêt au fait pour Fire Titan pour Diablo 4? Are you ready? Are you ready, ok? Attends. Ah non, j'ai cru qu'il y avait une pierre. À moins que... Attends, voir. Hey. On peut pas gruger le roi de la gruge. Allez. Ouais, je t'ai grugé, ouais. T'es peut-être voulu pour, hein. Je m'emballe, mais... Oula. Oula. Terminado. Et hop la plame. Ok. Alors fait intéressant, faut le savoir, mais quand tu amalgames ça avec ça, ça fait plus de dégâts. Avec un arc de golem en théorie. Voilà. Une corne de soldat là, méca là. On voit, il y a un arbre là. Souvent qu'il y a un truc. Ah. Hé. Regardez bien. Regardez et apprenez. Le prince de la gruge est là. Ah. Ouais. De clarté, ah, ça c'est très bien. Grenade flash, c'est très, très utile. Ok. Intéressant, il n'est pas. Ok. Alors, à voyure. Et... Attention en dessous. Le radieuse. Et... On va aller voir dans cet arbre là. Ah, j'explore partout, ouais. Je suis un explorateur.
Normalement, un corps Hugo peut en cacher un autre. Normalement, dans les arbres ou quoi. Eh ben non. Alors, du coup. Alors. Je pense qu'il faut refaire le même schmilblick en fait. Le même bordel. Yes, alors attends. Ah. Faut se propulser là-bas. Devoir le remettre un petit peu en. Parce qu'il s'incline un peu, j'ai l'impression. Ouais, alors attends, je suis en train de fixer des trucs légèrement de biais. Si je fais ça maintenant, il va se décaler vers le bas. Ah. Voilà. Très bien. Voilà. Bien droit. Calibre. Pour aller là-bas. Voilà. Non ! Ah ! Voilà. On met ça bien droit. Très bien. Ok. Oh bordel! Merde, merde, merde! C'est un peu trop de puissance avec deux fusées. Peut-être un peu trop de puissance avec deux fusées. Celle-là, il faut que je la décolle. On va avoir un problème. Ah. Ah. Attendez. Merde. Bon. On n'a pas le choix. Il faut ruser. R a du mal à fonctionner correctement. Ok. Alright. Là. Et vas-y, donne-moi la puissance nécessaire. Pourquoi il veut pas là? Oh purée! Bon! Ok, bon bah c'est un fail, j'ai regardé en l'air. Très bien, bon! Passera pas par là. Apparemment je peux pas me TP dans certaines roches. On va voir. Alors. Par là. Ouh la vache. Ok.
Oh, allez. Sanctuaire là. Ah ah. Une fée. Pour pas débloquer la prochaine. Hein. Une fée. Sur un mur. Putain. Sorte de miasme chelou là. Quoi ce... D'accord. Hein ? Quoi ça ? C'est quoi ce vieux bruit de trompette là ? Au secours ! Oh, des bruits de cloche. Pas fou quand même. Quoi ? Oula ! J'entends comme un bruit de cloche. Bizarre. Yeah. Regarde un peu, j'ai construit une tour géante. Ouais. Au sommet de cette tour, il y a un gong géant. Ouais. Et moi, un peu un petit jeu qui consiste à utiliser pour tester sa force. Tu veux tester ta force ? Pour tester sa force, tu dois faire sonner très fort le gong. Tout en haut de la tour. Lance-le toutes tes forces, en gros, un gros truc sur le gong. C'est comme ça que tu y arriveras. Tu peux lancer tout ce qu'il y a dans le coin. C'est des machins dont je me suis pas servi pour construire la tour. Tu verras, tu peux, avec un peu tout et n'importe quoi. Là-dedans, oh, t'as cette musique incroyable. et même des trucs dont je connais pas du tout l'utilité. Le gong sonne, tu as assuré l'attention, ok. Participation, on construit ça tout seul quand même. 30 rubis ouais. Oh, c'est mort. C'est mort. Non. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh. Mais, tout ça pour tester un... Non, non. Dis quoi, allô. Ah. On a un relais là. Bon, on va aller le prendre vite fait. Voilà le sanctuaire que je cherchais. Là, ouais. Ouais, c'est sûr. On a la... Très bien. On a la fée ici. Aou ! Putain, je me suis peut-être craché un peu trop haut. Ok, bonjour ! Alors, qu'est-ce que c'est comme sanctuaire cette fois-ci ? Encore un sanctuaire où je me fous à poil ? Alors, un sanctuaire guidé par les pieux. Hein. Ah ouais, très joli jeu de mots. Servons. D'accord. C'est quoi ces trucs ? Ok. D'accord, c'est des pieux qui se mettent partout. Ok. Ok, d'accord. Très bien. Très bien, Arthur, où est-ce ? Ah. Ah ! Non ! Clou. C'est génial. C'est bien avoir au bien pensé, le clou qui se met dans n'importe quelle structure. Je dois faire quoi ? Je dois le lâcher ? Ah ok. Ah !
Merde. Je croyais qu'il allait s'accrocher. Non, pas du tout, il s'accroche pas. C'est pas un gecko. Un gecko. Peut-être gecko. Alors attends. Là, on fait comme ça. Après, je saute dessus et je cherchais le coffre. Le coffre, c'est plus important. Le coffre est important, les loulous, ne l'oubliez. Ta mère, je sautais trop fort. Oui, bah ça va. Je vais pas me régénérer de toute manière. À la fin du sanctuaire, normalement, je gagne. Des cœurs. Voilà, on régénère. Bon, je vais pas claquer des bouffes. C'est hors de question. Ah ouais, non, là, ça va être un peu... Je pesais ça. Attends, c'est pas bête. Ça passe à travers ce sol ? Ouais, parfait. Voilà, comme ça. Oui, YOLO. Alors. On reprend tout, on recommence. Voilà. Comme ça. C'est surélève tout donc. Ok. Voilà, comme ça. On va faire comme ça. Attends. Voilà. Alors, putain, la gâchette m'a du mal un peu là. Ok. Ok. Hein ? Pas les appris. J'ai pas les distances. C'est chaud. Huh?
Flèche en bois, ok. Très bien. Alors, quel est le fuck? Pourquoi je dois aller là-bas? Crotte de bique, crotte de bique. Oh non. Ah. Merde. Ok. Et là. Bien. Voilà, comme ça. Right. Ah. J'ai peut-être bien planté là. Ah ouais, bah c'est bon. Premier coup. Let's go. Bah voilà. Perfecto. Alors. Ah non, mais tu vas mettre 3 heures à rouler, t'es sérieux? Roule dedans! Oh, ouais. Voilà. Voilà. Et voilà. Ok. Autant je me suis planté sur l'autre, mais là, ça va. Attends, j'étais au pif. Bah voilà, on est bon, on est bon. On est bon, on est bon, on l'a eu, on l'a eu. Alors attendez, excusez-moi, hop là, pardon, voilà. C'est quoi ça? On va déjà sauvegarder ce truc là. Ok. Yo. Salut partenaire. Oui partenaire, bubouillez-vous. Alors attends. Informe ce temps, prenez de nouveau ton âme journalistique et digne des plus grands pros le monde côté rencontré. Tu es journaliste, j'ai arrivé quelque chose de très étrange. Qu'est-ce qui t'est arrivé mon ami? Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai parlé d'une femme à la croisée des chemins. Là où sont plantés des vestiges. Ouais. Personne n'est en danger. On peut, ta vie ne peut pas révéler ton identité, mais tu dois la sauver. C'est ce qu'elle m'a dit. D'accord. J'avais l'air bien embêté, je l'ai suivi, mais j'ai beau mettre toutes mes forces, je n'ai pas pu la rattraper. J'ai fini par perdre de vue le perdre de vue. Voilà. Oh. Ok. Personne dont la personne dont parlait cette femme, ce n'était pas, ne te fait pas penser à quelque chose. Révéler ton identité, c'est sûrement parce qu'elle est noble. Plus, on en veut à sa vie, ok. Je peux pas m'empêcher de penser à la personne que nous recherchons. Pourrait être possiblement
Si tu en vaut le coup, allons-y. C'est que ça vaut que le coup. Là, le coup qu'on s'y intéresse. Oh la vache! Et ce matin, j'ai vraiment beaucoup de mal. Ok. Très bien. Oh, il y a les yeux verts, le chien. Oh, genre! Attends, c'est bien fait? Regarde! Le détail qui tue! C'est-à-dire que le chien a les yeux verts, c'est comme n'importe quel chien quand il y a un peu de. Je sais pas comment ils appellent ça, photoluminescence ou quoi. Et là, quand tu t'approches, hop, la lueur disparaît. Oh, c'est trop bien fait. Là, il y a un souci du détail quand même dans le jeu, ça, c'est affolant. Pour un jeu Switch. Waouh. Wow. Malgré temps, le relais, ok. Appel était le service de relais, ok. Un appoint relais supplémentaire. Pim. Une récompense supplémentaire. Contre une récompense. Bon alors, bienvenue Link. Qu'est-ce que tu as enregistré ton cheval? Oui bah oui, mais il m'obéit pas. Il vient jamais me voir, ce con. Ce couillon là. Voilà. Non c'est bon. Très bien. Oh. Ah ça par contre c'est intéressant. C'est les arbres, les cerisiers là. Ah attends, comment on fait déjà? Voilà. Très bien. Et ça c'est une recette. Oh, recette. Parions. Voilà, les recettes de bouffe sont affichées là. Alors, qu'est-ce que t'as à vendre toi, moi? Je veux acheter. Oh, tu vends des tomates. Je vais te les prendre. Ah. Ça a été un peu plus complexe à trouver les tomates, donc ok. Lézard Max. Ce lézard originaire des forêts, un remède qui contient augmente le nombre maximum de cœurs. Ah, ça par contre, oui, bah je te prends tout. Ça va me coûter un blinde, mais d'ailleurs, est-ce que j'ai des trucs à vendre? Il me semble que j'ai ramassé des rubis. Ouais. On va vendre des rubis. Ah oui, 500 le diamant. 500 le diamant, ouais. Bon, on va le vendre. Hein. On va le vendre. Je peux pas cracher sur 500 rubis. Hein. Ok. On a plus d'ambre. Il me semble qu'on en a récupéré. Ah, si, si. Là. Ouais. Tiens. Go. Juste pour info, la pomme d'or a vu combien? 8. Ouais, elle vaut pas grand chose. Ok, au revoir. Obtenir la récompense. Un instant, j'arrive. Pour aller contre les récompenses, gratte le lit de marlon. D'accord. Permettra de faire plein d'énergie, bien plus qu'un lit normal. Il est aussi très populaire auprès de nos clients car il permet de recevoir un oracle de marlon, la divinité équine. 3 points de plus, tu pourras avoir enregistré un cheval de plus, d'accord. C'est quoi le lit marlon, je comprends pas. C'est là? Quoi le lit marlon? Kezako. Oula. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, bienvenue, tu devrais te réfugier au relais quand il pleut. C'est plus judicieux. Voici la grande fée. Ouais. Concerne les chevaux, adresse 3 au comptoir. Ok, l'auberge s'intéresse au comptoir extérieur. La grande fée.
Ok, ça serait bien que j'arrive à en réveiller au moins une, quoi. Lorsque Fluol Flutis venait jouer ici, il sortait. Ok. Oh. Au moment du cataclysme, je suis un peu redu depuis. Ok. On emmène la troupe de musiciens jusqu'à la grande fée. Oh. Je veux bien, mais ils sont où ces putains de musiciens? Attends. Viens là, toi, j'ai besoin de te parler. Hey. C'est toi qui donne les trucs. Alors, on peut avoir le coup d'attaque. Avoir une grande fée. Des fringues, ok. Côté du relais de l'orée. Alors, il y en a près d'ici. Au relais de l'orée de la plaine. Effrayé par le cataclysme. Dommage. C'est pas toi qui donne les infos sur. T'as le même skin que la. Qui m'a donné les infos sur les armures cachées. Rod de Bic, c'est pas lui. Ah, pourtant il a le même skin que celui-là qui m'avait donné les infos. Sur des des fringues qui étaient votre trésor. Ouais, repéré. Là, on est bon. Quoi que j'ai mis là. Balise, tampon balise. Putain la vache. Allez, go. Ça c'est c'est la fée. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Ok, viens là toi. Ah, je suis tombé bien embêté comme pour des moyens de me retrouver séparé de mon ami. Oh la vache, il est loin, eh. Oh, il est super loin même. Y'a quoi faire un radeau là? Peut-être que. Bon, je l'ai marqué le truc là. Ouais, il me semble que je l'ai marqué le. Ah! Mon cheval est électrifié. Oula. Déjà les artefacts sonos sont pas considérés comme des objets en métaux, donc du coup. What the fuck, mais c'est quoi ça? Ok. Pas dirigé. Ok. Et bon, on enlève ce morceau là. Alors attends, la direction elle est où? Par là-bas, oh, ok.
Allez, let's go, on y va. Et re les runners. Bonjour, bienvenue à vous. Venez. Oh là, qu'est-ce que... Attends. Arrête-toi là. Venez discuter, venez chatter, venez lurker. Faites comme bon vous semble, mais vous êtes les bienvenus en tout cas. Welcome. Papa, reste là. Un de tes potes là, je crois. Ah, là. Allez, ça glisse, ça glisse. Eh, lisse. Oh, pays. Des merveilles. Alors, attends. Ah. Attends, on peut faire ça. On peut l'avoir de là. Non. Obligatoirement que je monte, quoi. Ok. Non mais... Ok, quel enfer. Ah. Mais sort de ce trou, bordel. Là. Non, mais non, mais non. Cela parce que faut bien se mettre en dessous pour les attraper. Un peu relou. Ah ! Voilà. Ah, c'est agaçant quand ça veut pas faire ce que. Et en plus, elle se met de. Le sage se met à côté de moi à chaque fois. Des fois, quand je vais appuyer sur A, je la déclenche elle, quoi. Je loupe le truc en fait, c'est un peu relou. Attends. Hein. On peut essayer de se caser correctement. Bon, je pense pas qu'on le fera en ligne droite, mais. Le courant, ça a été un peu compliqué. Là. Voilà, ça y est, j'ai été décalé. Hein. Putain. Ah bah forcément je vais pas avoir la portée. Ok. Continue par là. Ah. Quoi ? Hop. Et bon courage runner. A plus tard, merci d'être passé, merci d'avoir fait du... Bon bah au final on a voté, qu'est-ce qu'on me fait chier. Voilà, viens là toi, lâche. Lâche! Mais merci en tout cas d'être passé, merci pour votre participation et bonne découverte à vous! Bon courage! Là. Là. Il y a forcément un truc pour clean le miasme. Hein. Il y a obligatoirement un truc pour détruire le miasme pour le clean, quoi. C'est obligé. Ah! De noix corrugu. Yes. Un puits rempli de miasmes.
Ouais, à mon avis, quelque chose me dit que c'est pas une bonne idée d'y aller tout de suite. Bon courage, Runner. A plus tard. Ouais, donc ça me dit que... Ouais, je pense sincèrement que c'est pas une bonne idée d'y aller tout de suite. Reprenez... Merde. Ouais, je regrimpe là-haut. Et si j'appelle mon cheval, est-ce qu'il va venir cette fois? Non, mais vraiment. Allez, rejoins-moi. Bordel. Très bien, très bien, très bien. Non, il y a beaucoup de construction à faire là, mais il n'y a pas le gars avec la pancarte. Ah, bah le blas. Enfin, lave là ou lave le là, je sais pas trop. Cheval de Zelda. Ok. Allez. Bah. Pas de coffre, ah oui, puis c'est un go- ouais. Un golem. On va laisser les golems un peu de côté pour le moment. Très bien. Donc on était parti là à la base. Voilà. Il a repoussé vite l'arbre. Hein. Oui, 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 attends, doucement, doucement, je sais. Je vais y aller doucement, t'inquiète. Ah, c'est bon, calme-toi. Let's go. Bon, par contre, faut que je parle au PNJ parce que il y a certains PNJ qui me donnent des infos sur des trucs qui sont planqués. Le problème, c'est que j'en ai pas recroisé depuis un moment. Comme lui là, par exemple. Mais lui, je crois que c'est. J'ai croisé. De fringues, autrefois, ça s'appelait Lambda. Collection de fringues dans les grottes. Voilà, c'est eux. Ils ont une score de skin champignon quand on leur parle. Ils me donnent des indications. Non, non, non. Il y aurait des grottes dans le coin. On va les faire. Je mettrai d'améliorer mes vêtements. Allez bien. En avant Guingamp. Comme ça là. Et tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. Allez, allez, allez. Quel enfer. Mais tu peux sauter là. Oh nom de Dieu. Ah mais il veut plus remonter maintenant. Oh là là, quel enfer. Oh c'est un enfer. Ah tiens, tiens, tiens. Oh, il y aura un truc planqué là. Toujours dans la bonne zone, ouais, toujours. Toujours dans la bonne zone, toujours. Ok. Une grotte où il y aurait un truc à... Putain, une crotte de nez là, géante. L'enfant du sanctuaire du cristal indique la lumière lorsque... Hein, le leurre qui chasse le mal. Et... Mais dans cette grotte. Ok. Parfait. Allons-en. Allons-en. Allons-y. Ok. Là, c'est hyper grand.
Et... Bien. Ah, ah oui, d'accord, je commence à comprendre pourquoi c'est grand. D'accord. On a Mister Magoo. Très bien. Bon, ça, ça va être très utile pour les profondeurs, donc autant faire la réserve tout de suite. Pas de lumos. Récolte tout d'un coup, non? C'est pas possible. Tant rubis, parfait. Ah ah! Yes, tiens! Petit cadeau! Ok, oups. Ah! Il a une chaussure en métal. Inox. Voilà. Ah ouais, tu veux manger? Attrape-moi! Tiens! Ah, j'ai plus de naker. Et voilà, terminado. Voilà. Donne-moi tout ton loot. Ah, des citrouilles Armo, ça c'est bien. On va explorer. Parce qu'il m'a parlé d'une... Ah bah ils ont été tapés donc ils sont éliminés. Hein ? On m'a parlé d'un... Une caverne où il y avait des fringues, donc ça doit être sûrement ça. Hein. Oh, tiens, bonjour toi. Des gemmes nox. Voilà. Yes. Très très bien. On est bon. Une truffe max, c'est bien aussi. Ça va faire des remèdes qui remettent full vie. Bien. Right. Mm-hmm. Servons bien parce que des fois il y a des pierres à casser sur des parois. Important. Planqué en hauteur. Prendre. Pleurs bombes, on les prend. Il y a un truc là, on y était. Observez, il y a peut-être des gravats quelque part à détruire. Là par exemple.
servi correctement. Oh, apparemment, il y avait qu'un ox. Avec un inox. Max, ah bah putain la vache, j'en trouvais pas mal les truffes Max. On met tous les cœurs ça, avec une bonne compo. Parti là. Pas l'air hein. T'as pas l'air que ça soit ici, c'est pas dans cette grotte là. Peut-être que... Ah non, c'est là qu'il y avait le coffre. Ouais. Bon. On ramène ça bah à l'entrée du coup. Il n'y a pas moyen rapide pour l'emmener. Oh. D'invoquer des trucs pour le... Pour m'emmerder après aller... Enfin sortir des trucs de mon inventaire. Peut-être que je me suis fail, peut-être que j'ai mal regardé. M'étonnerait qu'il y ait un truc de planqué ici. Je pense que c'était juste pour ça à la base. Allez, on roule. Allez. Faire pousser un sanctuaire. Yes. Ça c'est un sanctuaire qui n'est pas, qui n'a, enfin que vous pouvez pas percevoir, c'est du désert. Ah bah tiens c'est une offrande, parfait. Une bénédiction. Ah, ok. Qu'est-ce qu'il va me donner? Robuste. Ah. Intéressant. Bon, ça c'est sur le point de péter. Ça pourrait être pas mal. Comment savoir les tiers 2 des armes classiques? C'est bien ça. Genre t'as le tiers 1 c'est le classique que tu trouves d'habitude, tiers 2 bah c'est celui-là que je viens de trouver et après peut-être tiers 3, tiers 4 je sais pas. Encore un et on pourra aller choper deux petits cœurs en vrai hein. Deux petits cœurs en plus serait pas négligeable. De toute manière faut que je retourne à la tour de guet pour aller récupérer. Bah apparemment il y a des trucs avec les esprits comme Fire Titan me disait. Donc je vais aller voir ce que ça donne. Voir ce que ça va donner. Ok. Bon. Très bien. Prends ton headshot ou? Ah, j'ai pas d'arme. Yes. Ah. Bâton ressort. Quoi? Bâton ressort avec un champignon. Maybe not. Parlez-vous. Ah. Mais... Voilà, donnez-moi les rayons de miel. Non mais t'as...
Saloperie. Lâchez-moi. À un moment donné, à un moment donné, hein. Calmez-vous. Ah bah celui-là on l'a noté, oui. Façon d'aller le choper. Je peux obligé d'escalader là. L'obligation d'escaladouille. Bon ça bah, on s'en bat un peu les royalement les stacks. On a une lance sonore renforcée. Eh ben, ça c'est plutôt pas mal. D'accord, ça c'est pour la. Ah, incline, mets-toi devant le bon sens. Ah ouais, d'accord, donc c'est la tour de là-bas. Ok. Eh ben c'est parti, en mode escalade. Et bœuf. Oh là. Un os de Moblin. Oh, 28 de dégâts quand même. Ok. Pas que je puisse tuer les bœufs d'un seul coup. Il y a une chèvre. Très bien. Ah, je glisse. Ah bah oui, forcément. Faire de l'escalade. Pendant la pluie, c'est un peu... Ok. Ça, j'en aurai besoin des ailes et des yeux. Trop bizarre pour que ça soit là. Bon, je vais aller voir. C'est plus fort que moi, faut que j'aille check. Faut que j'aille check. C'est pas normal qu'il y ait un. Oula. Normal qu'il y ait un caillou comme ça laissé à l'abandon. Au-dessus là, comme ça. Bingo! Bah, tu vois. D'accord, go! À la voyure. Hey. Bon! Ouais, il fallait que je le fasse. Obligé qu'il y en avait un moins planqué ici, quoi. Ah! Je tombe! Et je m'accroche à la vie. Je fais de tout petit bruit. Ah. Allez, on grimpe. Non. Bon. Je peux le faire, c'est bon, ça a arrêté de pleuvoir là, c'est bon. Pas nous enquiquiner de 20 ans. Tiens, tiens. Kizako, c'est trop bizarre ça, par contre. C'est moi ou... Ouais, c'est bizarre, hein. Ah non, c'est juste un rocher, d'accord. Par hasard... Ce qui tombe du ciel. Joli ici. Tellement joli. Voilà. Mais bon, un bon gigot, ça reste un bon gigot. Hein. Ah! Fous-moi la paix! Putain, fais chier, je voulais pas appuyer sur... Ah! Et ça, quoi? Fleur Armo. Ah! Bien. Pour commencer peut-être à faire des trucs qui augmentent la défense. Je dois affronter des lignelles ou quoi.
Ou prochainement Ganondorf, sait-on jamais. Non, c'est... Tiens, il y a un truc là-haut. Des œufs, je crois. Là, là. Ici, il n'y a rien. Ah, c'est bizarre qu'il y ait un truc comme ça laissé. Aussi travaillé, j'ai l'impression qu'il n'y a pas un corps au goût qui se planque ici, quoi. J'aimerais pas qu'il y en ait un. Pas. I don't know. Peut-être pas. C'est joli en tout cas ici. Allez. Alors. Oh, des pommes d'or. Encore. Je sais pas à quoi ça sert, mais à mon avis, on va trouver une recette de tarte qui nous rend full vie et invulnérable. Après le Mario Metal, t'auras le Link doré, quoi. Voilà. C'est quoi ta corne de Mobline? Ok. Pas partout, par contre, cela dit. T'as vraiment pas partout. Avons bien. Et là. Va tomber. Va tomber. Ah, je crois que c'était une grotte, j'ai eu peur un moment. Alors silencio. Faire des trucs de furtif. Voilà, maintenant on sait à peu près où... Hop, purée, bonjour vous. Allez, on se barre. On se barre. Perte de l'efficacité de... Sanctuaire Sona, panneau. Panou, panou. Les panou, panou. Isako. Chemin manquant. Ok. Ouh, il y a des chemins. Ouais, apparemment, oui, il y a des chemins manquants. Et l'elfe. Ah, ouais, bon, voilà. Hop. Paraît un peu trop évident. What? Quoi? Quoi? Fais ça. Ça. Voilà. D'accord. Très bien. Voilà. Oh, pour des flèches en bois, vous êtes sérieux? Putain, mais des radins. Incroyable. Ok, ouais, d'accord, on joue le truc. Attends, bah non. Je suis
Super. Voilà. Voilà. Tu dois te créer tes propres chemins. Ok, Kiesako. Alors. Voilà, évident. Voilà. Évident celui-là. Très évident. Bon bah c'est bon, on peut aller chercher nos dockers. Parfait. Je pense que je ferai une rangée de cœur et après je rentamerai la barre d'endu. Petite rangée de cœur, ce serait cool. Je sais pas combien ça fait la rangée de cœur, c'est 10 cœurs je crois. Cœur, ouais, ça sera rapidement. Merci. On bouffe du corbeau nous. Alors. Très bien, donc ça. Je crois qu'on vérifie un petit peu ce qu'on pourra faire. Il faut que j'aille là-bas. On reprendra. Alors attends. On va mettre une balise là pour dire que j'en étais ici. Se téléporter, let's go. Je vais voir à la tour de guet. À la tour des Avengers. Right. Didi, hop. Putain, les chargements sont un peu longs quand même. Bon, c'est la Switch en même temps, mais bon. Donc du coup, je voulais voir un truc. Ah. Ah bah toi, tu me donnes quelque chose. Exactement, que le montre, ok. Oui. Semble confirmer que la silhouette présentée sur le fragment est bel et bien celle d'une personne. C'est une découverte sensationnelle. Ça voudrait dire que le professeur de la Terre, les profondeurs de la Terre, pardon, étaient habitées. On doit continuer les fouilles pour trouver d'autres traces. Ouais. Ok, une recherche. Ah, mais avant cela, je donnais quelque chose pour te remercier de ton aide. Ah, j'avais pas pris la quête, d'accord. Du sonium. Coucou. Oh, merci pour ton follow Milou. Milou Biome. Merci à toi. Et bienvenue sur la Zigus Télévision. Merci à toi. Ok, donc on est bon. Faire la lumière sur un mystère en profondeur de la Terre. Right. D'accord, Faras. Monsieur le Chevalier, merci infiniment d'avoir exploré les profondeurs à ma place. Oui, bah comme d'habitude, quoi. Il va me faire va me chercher une pomme. Fais-moi tout un tas de trucs, quoi. Merci pour le follow, en tout cas, Milou. Alors. Ils ont perdu le chemin et errent dans la profondeur de la Terre. Bien le mal ne sont que de vaines. Ok. J'en ai. J'ai perdu et retrouvé dans l'autre monde. Qui m'a transporté la surpage, je ne pouvais plus conduire ces esprits vers l'au-delà. Mais grâce à toi, je peux à nouveau accomplir ma mission. Ok, accepte ceci. Amas des ténèbres. Ok. Comme il se doit. D'accord. La tunique noire. La tunique de Dark Link. Mais non. Mais non. La tunique de Dark Link, merde. What the fuck?
Présent avec moi, je vais te révéler l'emplacement d'un de mes frères dans les profondeurs. Lurk, eh ben merci Milou, merci beaucoup pour ton lurk. Bah, y a pas de commande lurk, mais merci à toi. Donc du coup, en tout cas bienvenue, bienvenue à toi, merci pour ton follow. Ça fait grandement plaisir. Du coup, j'avais dit des cœurs. Allez. Quand même aller, parce que quand on commence à affronter des moblins bleus et tout ce qui s'en suit, donc du coup on va peut-être prendre un petit peu plus de vie quand même. Parce que prendre que de l'endu, bon c'est bien, mais quelque part je veux un cœur en plus s'il te plaît. Ouais. Donne-moi mon cœur bébé. Alright, like you. Bien. Merci à toi, merci, bah je fais pas grand chose, mais merci, merci de me dire merci, de rien, welcome. ok, leur bienfaisance, ok, bah je veux un autre cœur alors s'il te plaît, oui, un autre cœur. Et un cœur pour l'aveu. Ouais. Bref, parfait. Parce que bon, c'est bien mon bon de monter en endurance, mais c'est vrai que là avec le truc de grimpe, ça m'offre une meilleure rentabilité de l'endurance. Restauration aussi. Noter un truc là. Quoi? Tampon. Yes. Alors. Hein. Donc, on en était rendu là. Donc on a fait ça. Donc il y a le. Il y a la tunique de Dark Link. Ça voudrait dire qu'il y a la tenue complète de Dark Link. Oh, c'est génial. Ah, oh, ça serait génial de pouvoir avoir le skin de Dark Link dans Ocarina of Time. Et je crois qu'il est présent aussi dans Twilight Princess. Moi, ouais, j'arrive pas à le prononcer, désolé. J'ai un anglais exécrable. Voilà. Je sais pas. I don't know. Merde, la carte. Ah oui. Alors la carte. J'ai la carte là-bas. Hyrule. J'ai noté un truc. Qu'est-ce que j'ai noté là-bas? Là, à proximité, ça c'était la fée, donc je peux remplacer la balise. On va mettre ça pour le moment. On va se téléporter en bas, aller chercher les autres sanctuaires. De manière générale, si on fait le maximum de sanctuaires possible, je pense qu'on pourra aisément se taper contre les trucs que j'ai trouvé dans les profondeurs. Profondeur, c'est quand même rentable aussi, hein, faut l'avouer. Alors, derrière moi. Effectivement. Faudrait que je trouve aussi les musiciens. Dans les. Dans un relais, je crois que j'ai pas trouvé encore. D'ailleurs, cet arbre-là. Golem. Ah, une grappe de tomates. D'accord. Ah, il était bizarre cet arbre. Non mais tu vois c'est ça le problème de ce truc. Voilà. Voilà. M'a trouvé. Oui. Oh pardon, je suis lâché sur la gueule. Hop là. Il y a du monde. Par exemple, j'ai eu un arc royal alors que j'aurais pas dû en avoir avant un moment. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Bouclier autoguidé? Matraque laser? Ouais, bah d'accord. Bouclier autoguidé.
D'accord, non bah non. J'en veux pas. Je n'en veux point. Attends. Lol. Ah non mais j'ai déjà fait celui-là. Si c'est celui-là qui avait du. Oh, ok. Nan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 a. Ok. Alors là, pour trouver les bons fruits, quoi, au secours. Corne de golem capitaine. Oh! Ohé, ohé, golem capitaine abandonné. Et un coffre à looter. Parfait. Perfecto. Alors je sais pas du tout si je suis la bonne progression, c'est ça le problème. Putain mais arrêtez de me filer des marmites de voyage, je m'en cherche jamais. C'est atroce, c'est affreux. Bon ça vu que c'est pété. Ah, dégage. J'ai les chuchus jaunes. C'est vert hein, plutôt que jaune, hein, mais bon. Pas de jeu chipote, hein, mais. Ouais, c'est vert. Arrêtez de dire que c'est jaune. Vert. Vert caca doigt, mais c'est vert. Ok. Donc, du coup, attends. On a fait un truc pas mal. Du coup, j'ai ça à combiner et je viens de trouver l'item parfait pour augmenter, à mon avis, de manière drastique mes dégâts. Where is it? C'est donc là-dedans. Voilà, c'est ça. 15 de puissance, ouais. Prendre. Voilà. Et ça va doubler plus 3. Vu que c'est un item sono, le combiner avec un autre sono, hop, plus 5 de dégâts. On a une lance qui fait 26. C'est bien. Ça... défaire l'amalgame, pareil, on va la combiner avec un truc sono aussi. Yes. Bah ce sera ça pour le moment. Le truc le plus puissant que j'ai, 5 de puissance, là 8 de puissance, hop, on le combine avec ça. Voilà. On fait du tri, alors qu'est-ce qu'on a? Pas des combinaisons quand même. Ne serait-ce que pour alléger mon inventaire. Je pense qu'on va faire ça. Ah. Voilà. On a une bonne arme pour un bon burst, mais qui va pas durer très longtemps. C'est très peu résistant. On a une lance pristine aussi. Donc quasiment bah, qui n'est pas rouillée. Ça, je me tâte aussi à y mettre ça dessus quand même. Une bonne petite corne là de... Ouais, on va prendre ça. On va faire un truc vraiment que j'ai, où j'aurai... Quand j'aurai vraiment des gros ennemis que je pourrais pas affronter, machin, il faudrait... Voilà, 39 de dégâts. Bam. Voilà, terminado. Le pro de l'amalgame, c'est moi. C'est moi, le théorie crafting, c'est moi qui l'ai inventé. Là, pareil, on a une petite arme, mais pas besoin de mettre un gros truc dessus. On peut mettre... C'est combien de dégâts d'amalgame ça? 8, 7. Ça c'est 8. Et ça c'est 12. Mais ça c'est bien pour... Quand je vais devoir péter des trucs bien résistants, genre les gros rochers bleus ça. Ça, ça peut péter les gros rochers bleus je pense. Et pas les rochers normaux. Donc on va les garder de côté. Ainsi que de toute manière la corne de Troglobelin. Hein. Elle bute aussi des grosses pierres bleues. On peut pas détruire avec des bombes classiques. Ah, merde. Voilà. On a une petite arme à 15. Ça fait pas mal d'amalgames. On va garder de quoi côté, de faire des amalgames de côté pour au cas où. Pas tout bouffer. Servons bien, hein. Il peut y avoir des trucs bien planqués. Bizarre, j'ai pas croisé un mec qui a une pancarte depuis longtemps. Que mon cheval pourrait venir là.
viendra pas. Putain, beaucoup moins pratique que dans le Breath of the Wild, le cheval, je trouve. On sait jamais, il y a toujours l'énigme. En règle générale, il y a toujours le petit truc qui veut dire ouais, il faut. On peut avoir des trucs planqués dans le coin. Ah, par exemple. Ouais. Alors, je sais pas du tout où je vais, hein, mais j'y vais. Ah, mais attends, c'est là-haut. C'est là-dedans, là. Ouais, c'est ça. Bon. Papa, ça n'a pas l'air d'être par là pour y aller. Non, il faut que je remonte. Là, je m'écarte du chemin, très clairement. Le cheval qui suit jamais, c'est une atrocité. On va sortir le cheval. On va se téléporter, on va sortir le cheval. Bon, moi ça m'a permis d'avoir une corne qui va me donner une bonne lance. Cette bonne lance va me servir à tuer Ganon. Non, pas tout de suite, on va se calmer. Je vais tuer Ganon. Il est à moi. J'ai fait quand même 32 sanctuaires. Hein. C'est quoi le 2 en dessous, le 32 sanctuaires? That is the question, my friend. Ah. Apparemment, ils étaient là, hein. C'est une scène hein, directement, donc ça c'est une scène qu'il faut... Oh, ok. Non, non, fous-moi la paix. J'ai compris ton délire. Tu es folle. Laisse-moi. Ah bah tiens, un puits. On fait le puits ou pas? Oh là, on fait le puits. Tant qu'à faire. Je commence à avoir de l'équipement, je commence à être bon. On en a jamais trop. Oh. Grenouille Adesio. Hein. Encore une deuxième. Ah, en fait, faut y aller en mode silencieux. Ça marche aussi sur les insectes et les trucs comme ça. Voilà, une deuxième fée. C'est à moi qu'il faut donner les fées. Car la fée. Non, bah, je vais pas faire cette blague. Au jeune. Et voilà, t'es à moi. Des gemmes Nox, faudrait que je trouve un moyen pour les dépenser aussi. Je sais qu'on peut faire avec les gemmes Nox, on peut faire un équipement. Mais où? Alors ça par contre, à la surprise du chef. D'ailleurs il y a une meuf qui me récompense sur le... comment ça s'appelle? Le nombre de puits que je trouve. Faudrait que j'y retrouve parce que j'en ai découvert un sacré paquet depuis le début. Je ne peux toujours pas retrouver. Je crois qu'elle est dans un des relais, mais lequel? Voilà. On a quoi là? Une houe. Alors. Non, je veux la sortir, je veux pas la... elle est où? Voilà. On va la pas avec ça. C'est l'heure de la pause. Ok. Ah, il a une quête pour moi, lui, quoi. Ah oui, l'archer de Bédiné, t'as arrêté au relais d'oreilles des platines. Les chevaux, ils sont adorables, pas vrai? Il y a encore peu. Il vivait au relais de Gagnon Gerudo. Ah, le Gerudo. Ok. Mais le climat a été perturbé par le cataclysme. Ok. Entre
entre les chaleurs extrêmes et le froid glacial, c'est dangereux pour eux, alors c'est moi qui m'en occupe maintenant. Ah, au fait, voyageur, tu n'aurais pas entendu parler de chevaux squelettes par hasard? Si, j'en ai vu. On dit qu'ils apparaissent la nuit dans les ruines de Parc Sandine, au nord d'ici, en suivant la route. Mais si tu sais... tu sais, les ruines avec la statue du cheval. Peut-être les restes de chevaux morts entendent les lieux. Oh la vache. Entend les lieux, ou alors c'est des chevaux maudits issus du cataclysme. Désolé, chaque fois qu'on m'en parle, un chevaux me met divagué. Bref, c'est sûrement juste une rumeur, mais si c'est vraiment il existe, je verrais en voir un en vrai. Est-ce que déjà, est-ce qu'ils sont pas hostiles? Parce que moi, j'ai pas osé m'en approcher parce qu'ils étaient quand même nombreux. Est-ce qu'ils sont pas hostiles? C'est ça le truc que je me pose comme question. S'emmener un cheval? Non, pas Popo, je m'en fous de Popo. Avec Dada. Là, la créativité maximum d'un jeu d'un streamer. Comment t'appelles ton cheval? Dada. Ouais, non, je veux pas le personnaliser. J'ai pas de quoi le personnaliser de toute manière. Ok. Faut que je trouve l'entrée de ce truc là. Ah, le dragon de foudre. Tiens. Quoi? Yeah, madame. Bonjour. Tout va bien? Des chevaux blonds? Toi et moi, on connaît pas, mais accepterais-tu de m'aider? Une personne qui m'est très chère est en danger. Elle est cachée quelque part et ne veut pas bouger. Comme on en veut à sa vie, je ne peux pas relever son identité. D'accord? Je te suis. Je sais pas pourquoi, mais ça sent le traquenard. Ça sent le traquenard ou pas? Ça sent le traquenard. Ok. Ah, c'est incontrôlable. Vache, ils sont nombreux là. Terminado. Ok, bon ça va, je suis plutôt aguerri avec l'arc, je suis plutôt bon, pas pour me vanter mais... Hein, qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais c'est, d'accord, je crois que c'était une plante. Tant pour moi. Ah ici, dès de t'avoir abandonné, j'étais si inquiète pour ma personne, elle se repose à l'endroit là. Ah, pardonne-moi, le chemin est assez accidenté. Bon mais ça va, j'ai l'habitude. Quoi? Vous vous foutez de ma gueule? Attends, je dois tout escalader là? Super. Une cata, la cata, la catastrophe. Ça va, heureusement que j'ai monté mon endurance, hein. Alors, nom de Dieu. Ah.
Right. Allez, allez, tu peux le faire. Tu peux monter. Link, je crois en toi. Même si j'ai pas trop le choix en fait. Bon, on aurait pu utiliser la technique du pomme de pin, silex et fagot, mais je t'avouerai que bon. Pas trop envie de les claquer. Allez, tu y es presque. Ok, donc attends. Truc. Remède. Voilà. Il me manquait un poil d'endurance hein, pour monter tout. Je le savais. Ah, pardonne-moi, je te remercie d'être venu jusqu'ici. Bien, nous sommes presque arrivés à l'endroit où se trouve cette personne. Non, tu te fous de ma gueule, il faut redescendre maintenant. Ah, ok. Peu loin, mais je suis certaine que tu peux y arriver. Ouais. Au goût dans le coin. Non. Quoi? Il y a des ruines là, tiens. C'est quoi comme ruine? Oula, il y a l'air d'avoir un truc dedans, ouais. Oh poudre! Oh poudre! Qu'est-ce que c'est que ça? Eh! Une hydre enflammée! Enfin, une hydre électrique! Oh boy! Oh boy! Bon. Allez. Ah, je me suis oublié de rattraper. Quel con. Dard ton truc, hein. Pardonne-moi, je dois t'avouer que je t'ai mis à l'épreuve. Cheveux blonds, force, un courage permanent. Hein. Et par-dessus tout, cette hypocrisie. Tu es Link, le chevalier servant de Princesse Zelda. Ça ne fait plus aucun doute. Quoi? Contre enfin, bien, j'ai fait conduire à la dernière destination. Il s'agit de l'enfer. En tout texte, c'est un traquenard. Ah. Ok, je m'en doutais. Très bien. Ok, faut vraiment que je refasse de la bouffe, hein. Ah putain, j'ai quasiment... On va manger ça. Le verrouillage est nul. Ouf. Le verrouillage est vraiment nul. C'est lesquels les vrais? Ah! Ok, très bien. Donc ça c'est les trucs Sheka, mais je m'en peux plus leur nom. Cette fois, mais la prochaine fois je serai sans pitié! Ouais, bah boum! Ça pour rien en fait. Putain, le saligo. Et re-welcome les runners. Bienvenue. Bienvenue, installez-vous. Venez discuter, chatter, lurker,
followez, installez-vous, discutez comme vous le souhaitez, mais en tout cas, bienvenue à vous, et installez-vous bien, profitez un petit peu de ces Zelda Tears of the Kingdom, ou Zelda Breath of the Wild 2, hein, grosso merdo, mais voilà, bienvenue, installez-vous. Voilà, soyez bienvenus, des bisous. Ah, ok. Fais battre Yiga en retraite, je suis fier de toi, partenaire. Bien, je suis heureux de... Ok. Deux rumeurs en par rapport, ok. Petit à petit. Ok. Bon bah... Super, ça m'a volé du 50. Du 10 sud de la Gazette des Bois, hein. Elle se prêtait parfaitement à la confection d'une paravoile. Toff fait de toi en membre officiel de l'équipe de la Gazette des Bois. Pour s'écouler avec fierté, partenaire. D'accord. Bon vent, bon vent. Apparemment, je peux faire des trucs bizarres avec ça. Ok. I don't know. Bizarre, très bizarre. Très bizarre. Donc apparemment, on peut faire un truc avec la paravoile. Mais quoi ? Je sais même pas où elle est la paravoile. Ça ? Je sais pas. I don't know. Ça, c'est des armes qui permettent de faire plus de dégâts en furtif. Ouais, c'est très situationnel quand même. Ça, attends, j'ai bien lu le truc. Donc, ouais, c'est des attaques surprises. Ouais, Osef. Osef. Bon, bah du coup, j'ai encore écarté quelque peu de mon chemin. Putain. Il croyait que c'était un lapin spectral. On va récolter les œufs. Voilà, monte. Voilà. Hop là. Si on m'a amené ici, il y a peut-être un korogu planqué là. Peut-être probable, hein. Ah. On écoute bien. Ouais, on l'écoute. Il est là-haut. Généralement, quand on vous amène dans des endroits avec des quêtes secondaires ou quêtes principales, il y a de fortes chances qu'il y ait des korogu dans le coin. Et okay. Oh non. Oh non. What? Bah voilà! Il y a toujours des korogu dans le coin généralement. Après une quête secondaire, un truc comme ça. En plus de ceux-là qu'on doit pif. Et des arbres qui attaquent. Ok. Ah, lâchez-moi! Non. Très bien. Ok, c'est bon, il se barre. J'ai prévu d'aller dans ce... Alors le sanctuaire est en face, et là il y a un truc vert aussi. Fin du passage. Merci les runners en tout cas d'avoir aidé la communauté des petits streamers et nous soutenir entre nous, même si vous êtes des streamers ou quoi. Très gentil de votre part. Pas vrai. Oh la paix, saloperie d'arbre. Plein le cul. Plein le fiac. Observons bien les lieux. Observons! Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Ah, rien. Que pouic. J'avais mis un truc ici. Quoi?
attends voir. Ah, c'était en hauteur que j'avais mis, d'accord. Ok, c'était en hauteur. Attention, voir. Attends, voir, attends, voir. Non. C'est bizarre, ça. Alors, peut-être que je me plante, hein. Ouh boy. Il y en a partout ces trucs là hein. Ouais. Allez. Oh crotte de bique. Mais comment je m'en débarrasse de ce truc? Ça se fait qui comprend pas le DL là. Je comprends pas ce personnage. Enfin, ce. Je comprends pas ce mob. Très bizarre. Juste courir et en fait il meurt quoi qu'il arrive. Ok. Très très bizarre. Je comprends pas le système de fonctionnement de ce personnage. Qu'est-ce qu'il peut? Ah bah. D'accord. Ah bah voilà, il est là. Ah il faut, je pense qu'il faut juste attendre en fait. Pareil bizarre comme ça mais. Voilà, crache-moi ton loot. L'espadon chevalier. Qu'est-ce qu'on a dans le coffre? Arc de soldat. Ok, parfait. Bon, il est revenu, pépère. Voilà. Rio Goku. Oh, putain, c'est chiant d'ailleurs. C'est une catastrophe. Alors. Je ferme ça, hop, parce que c'est en train de me bouffer de la rame. Là. Ah, tiens, ça me rappelle un truc que j'ai eu dans le temple du vent, ça, tiens. Je vois le délire. On scotche ça ici, ce qui devrait faire tourner les deux rouages. Voilà. Allez, let's go. Extrêmement compliqué. Ah, je me suis loupé. Ah, je suis tombé. Ah, c'est bien ce qui me semblait qu'ils allaient mettre un mécanisme dans le genre. C'est prévisible, c'est très prévisible, mais c'est bien, c'est bien. Non mais. Oh.
très prévisible, mais c'est bien justement, soit prévisible. Au moins t'es pas bloqué pendant 4 heures à chercher des solutions. Oups, allez, bah, je vais peut-être un peu trop propulsé. Je crois que c'est derrière qu'il faut aller. Ouais, ça c'est une mécanique que t'apprends dans le truc du temps. Yes. Là. Les mécaniques que t'apprends à dans le truc du temps, vous donnez du vent. Voilà. Et voilà. Comment obtenir un coffre? Ouf, surpuissant. Ah oui. Oui, on rigole plus là. Surpuissant l'arc. Et... Ah. Yep. Ah. Là aussi il se monte. Ah, peut-être pas comme je... Et crois savoir faire ça en sorte que la... Ça va mal, c'est un truc de ouf. Viens par là toi. What the... Ah oui. Hey.
Et vraiment, quel enfer. Mollo. Il est mollo. Mais non, je pense pas. Merde. Il y a un truc, mais je suis pas totalement sûr. Hein. Là. Ah. Un peu plus complexe que prévu celui-là. Ah oui, je suis con, j'aurais dû arrêter le mécanisme. Voilà. Non mais je vois rien. Là on fait ça. On va réactiver. Ah. Ok. My bad. My bad. J'étais un peu bête sur ce coup-là. Ah. Là en random. Ah non non non, faut pas prendre le surpuissant là. Non 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 non. C'est le... Nope 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 nope. Un peu plus complexe que je pensais. Que ça touche en fait. Et bon, je me complique la vie et c'est un truc tout simple. Huck!
Voilà. D'accord, c'est bon. Voilà. Oh non! Non, c'est pas bon! Ouah! Oh, quel enfer! Pas du tout ça! Mais qu'est-ce que c'est alors? Merde! Non! Non. C'est ça en fait, attends. Ah mais attends, le truc il s'est décroché. Ah, quel enfer. Ah. Ah. Ça m'a tout cassé. Il est un peu plus complexe quand même celui-là, je dois l'avouer. Un poil plus complexe que les autres. Bon, ça devrait tourner là. Bah non, putain, mais... Oh, c'est un enfer. Ouah, celui-là est chiant. Faire la crotte de bique à force. À gonfler. Ah.
Oh, quel enfer! Super. J'ai accroché où là? Pas du tout là. En train de me saouler. Ah, c'est en train de me prendre la tête. Ah non mais oui, oh là là. On va faire un truc, c'est qu'on va ramener le mécanisme à mort au fond. C'est le meilleur moyen de... Ah quel enfer, je peux pas l'atteindre. Ah 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 ah. Ah d'accord. Ah bah oui. Ah bah ça c'est génial. Mécanisme à mort au fond. Voilà. On va arrêter.
Ok. Est-ce que si jamais je fais ça... Putain, c'est le premier que je galère autant. Non, il est pas accroché. Il est pas accroché correctement. Je vois pas ce que je fais en plus, quel enfer. Voilà. Alors je sais pas du tout si je prends dans le bon sens. Mais je pense pas. Très complexe pour rien. Ah non, j'y suis arrivé tout à l'heure, me dis pas que... Allez, go! Wouah! Eh ben non de Zeus! Ah! Ouh! Eh ben une galère sans nom! Une galère sans nom! Alors peut-être que je me suis pris mal. Je pense que je me suis pris mal. C'est pas ce que j'ai oublié ou ce que j'ai pas fait. Mais alors, nom de Zeus, quoi. Bon. Mais c'est quand même... ouais. Ouais, il était quand même relativement chiant, faut l'avouer. Il faut avouer ce qu'il était. Il était chiant. Donc, sur ce, les petits potes, moi, c'est pas que je m'embête, mais il va être le temps de manger... et de manger, de se sustenter. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir lurqué, je vous remercie d'avoir participé, je vous remercie pour les follow, je vous remercie pour tout, merci pour la participation de manière globale, parce que oui, le lurk est une manière de participer au live quand même, hein, voilà. Donc je vous fais des gros bisous, merci d'avoir participé, je vous souhaite un gros bon week-end. On se retrouve lundi. Et donc pas dimanche, et c'est parce que cet après-midi en plus, ce soir, petit resto en famille pour les anniversaires. Donc voilà. Fais des gros bisous, merci d'avoir suivi et on se revoit très bientôt. Donc à lundi et prenez soin de vous, ne faites pas des choses que je ne ferai pas et à la prochaine. Bon week-end, bisous, ciao.